Alors bonjour à tous, bienvenue à la Paris Games Week pour cette petite interview de ce centre que je viens de découvrir moi-même. Et ces deux personnes ont un projet extrêmement ambitieux à proposer, une plateforme sur internet qui veut regrouper tout joueur. Alors, Kevin, Natacha, bon choisissez qui... Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet? Ouais, bien sûr. Alors, Megalith, c'est un réseau communautaire, du coup, comme tu l'as expliqué, pour tout type de joueurs. Donc, du jeu de plateau au jeu de rôle, en passant par les jeux de figurines jusqu'aux jeux vidéo. Ça prend même l'escape game, laser game, etc. L'idée, en fait, c'est de permettre aux joueurs de proposer à la communauté des parties pour qu'ils puissent aller ensemble, justement, faire une activité ensemble. Et ça, sur tout type de jeu. Donc, techniquement, en fait, je suis fan d'un jeu ou d'un type de jeu, je rentre ça dans la base de données, si je puis dire, et vous allez me mettre en relation avec des joueurs qui aiment la même chose, si je comprends bien. Voilà, c'est ça, effectivement. En fait, tu vas proposer une partie à la communauté, et du coup, les gens vont venir te rejoindre pour pouvoir participer à cette partie. Tu peux aussi demander à la communauté, tiens, j'ai envie de découvrir ce jeu-là. D'accord. Et du coup, les gens qui ont le jeu vont pouvoir proposer eux-mêmes la partie. Ça permet de découvrir aussi des jeux qu'on n'a pas forcément chez soi, ou qu'on ne peut pas acheter parce qu'ils sont trop chers. Et du coup, ça permet de les découvrir plus facilement. D'accord. Et par contre, par exemple, un bar ou un endroit va organiser une partie, ça pourra être mis en relation à partir de cette, du site, en fait. Ouais. Alors oui, un bar à jeu ou un professionnel va pouvoir organiser ses parties et du coup, ses événements ou ses soirées. Et du coup, elles seront visibles pour la communauté. Et c'est là l'intérêt aussi de Megalith, c'est d'offrir de la visibilité aux professionnels qui organise régulièrement des événements. D'accord. Alors maintenant, la question qui tue, vous en êtes où? Où est-ce qu'on en est de ce projet? Où est-ce que... Alors, actuellement, on est en phase de bêta. Parce qu'en fait, l'essence même de Megalith, c'est de permettre à la communauté d'avoir de la voix, d'avoir de l'importance. Et du coup, en fait, on l'a sorti depuis mars, la bêta actuelle. On a ajouté des fonctionnalités au fur et à mesure. Et en fait, selon justement ce qui a été dit, on a ajusté. Aujourd'hui, on est à un stade où est-ce qu'en fait, on pourrait sortir une version 1, mais sauf qu'en fait, les retours qu'on a eus partaient dans un sens où est-ce que la communauté avait de la disponibilité. Et on va partir sur cette direction-là, de dire à la communauté, ok, dites votre disponibilité journée, soirée, dans la semaine qui arrive, dans autant de temps que vous voulez, sur une liste de jeux. Et en fait, ces informations-là vont être agglutinées, on va dire, par région, sur des jeux. Et du coup, les gens vont pouvoir s'organiser à l'intérieur de discussions, en fait, sur « Ah bah moi, je suis à côté de Paris, du coup, on peut organiser ça au Mésia. Moi, je suis à côté de je sais pas quel endroit, et du coup, voilà, je suis de Lille. Du coup, ça sera dans deux régions différentes, du coup, ils vont pas être connectés. Et ils vont pouvoir, du coup, s'organiser intra-région. » Alors, dernière question. Où est-ce qu'on vous trouve? Le site, le Facebook, le Twitter, tout, je veux tout savoir. Alors le site c'est tout simplement megalith.co, donc ça c'est facile, alors c'est pas .com, c'est .co. D'accord. Attention. Tous les liens seront bien sûr dans la description de cette vidéo, hein. Vous baissez juste un petit peu et vous allez trouver. Ensuite sur Facebook, tout simplement on tape Megalith, on est sur Twitter aussi un petit peu, et on est sur Discord surtout, vous pourrez retrouver le lien pareil dans Facebook, on a mis un lien d'invitation si jamais vous voulez venir papoter avec nous. Et voilà, et puis tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense, n'hésitez pas du coup à rejoindre la communauté et puis à partager surtout vos impressions dessus. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans vos rêves les plus fous? Et on est là pour concrétiser et pour rassembler les joueurs, donc c'est le moment de s'exprimer. Voilà, j'espère tout le bien possible de ce projet qui a l'air vraiment excellent. Vous savez où les trouver maintenant. Vous savez quoi faire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Merci beaucoup.